Nous, c'est Marchandises en Haïti. Quel que soit côté information, nous pouvons chercher le poté le baou, Jean Lia. 2021, conférence spéciale au niveau de la direction centrale de la police judiciaire, également au niveau de la direction générale de la police nationale. Moi, papa bon dans Jodia, parce que nous pouvons parler sur trois points et que nous estimons qui fait et qui domine l'actualité. Concernant écart de comportement, brutalité policière qui enregistrée pendant les dernières semaines, ça. Côté que la presse dénonçait ça, et côté tout journaliste qui fait marche pour être capable de parler de victimes qui sont victimes, je dis à commandant chef de la police, là, de rencontrer l'inspecteur général en chef là. Côté que, il passait l'instruction pour ouvrir une enquête très pressée sur ensemble de cas qui concernaient des journalistes pendant les dernières semaines. Et à travers le réseau, l'image tout le monde capable de et au niveau du commandement, tout, nous avons l'image. C'est un comportement qui a touché moi à l'institution. Et la police est une institution, nous connaissons déjà, mission ni, c'est garantir le public et la sécurité publique. Et partenaire ça que nous gagnons, qui c'est la presse, également la population, hein, c'est des partenaires qui très importants pour nous en matière de communication, également en matière de sécurité. Inspection générale prend ça très au sérieux. Et au niveau direction générale, là, nous très préoccupés par ça. Nous, à 10 journalistes, que au niveau inspection générale, enquête là, la pressée, probablement, dans une conférence qui vient pour faire au niveau inspection générale, il y a élaboré plus sur ça. Ça permet même dit tout que la police avec la population sont seules. Et nous croyons tout que la police avec presse l'entour, c'est un seul. Sans la presse, bon ensemble de données, bon ensemble d'informations que nous pas qu'à gagner. Et nous croyons tout que journalistes surtout, avec policiers, pratiquement, c'est deux collaborateurs dans des situations. Par exemple, dans le cas de manifestation, couverture de manifestation, il y a pratiquement trois éléments souterrains. Il y a la population qui a manifesté et qui sont droit à la constitution pour que manifester. Et il y a la presse tout lui-même qui a fait couverture, là, qui a fait travail et qui a informé l'autre monde et à travers le monde, tout le monde, à travers la presse d'information et la police souterraine. C'est une raison, les gagnants de manifestation nous ont toujours demandé, sollicité, collaboration, moun kap manifeste yo, moun ki lance manifestation yo, et tout collaboration la presse. Nous connaissons carnaval là, c'est 14, 15, 16 février 2021 au niveau Port de Paix. Il y a un ensemble de mesures qui prend au niveau de la direction générale de la police nationale et ensemble de dispositions ça yo, yo sous plusieurs niveaux. Pour assurer sécurité moun ki pral nan carnaval et moun ki pral nan carnaval, la police pratiquement mobilisée dans tout département, notamment côté que activité ça a déroulé. A gagné présence policière active sur route nationale là de Titanien à Port-de-Paix. Et c'est SWAT, Simo, Boyd, Udmo, police administrative qui lui-même a sécurisé l'espace là. Objectif couverture d'espace ça, c'est pour faciliter la circulation, c'est pour sécuriser le passant, également tout empêcher la route là bloquer le blocage d'eau. Et pour Port de Paix, gagner un renfort en maintien d'ordre au niveau Port de Paix.
par les unités UDMO Nord et UDMO Nord-Est, circulation, BIM, SWAT, SIMO, et Mounsayo, c'est pour sécuriser théâtre événement. Gagnent environ 500 policiers qui mobilisés pour activité carnaval là au niveau port de paix qui a couvert pour sécurité. Et au niveau troisième niveau, c'est présence, inspection générale, au commandement, logistique, communication. Et en total, gagnent environ 1500 policiers qui mobilisés pour événement carnaval. Nous tous connaissons tout, carnaval là, c'est une période festive. Et nous sollicitons encore une fois collaboration population Port de Paix, également pour collaboration monde qui gagne pour fréquenter Axlan, à savoir de Titanien rivé Port de Paix. Commandant chef là, tu font message à travers la presse, côté que tu parlé amplement sous dossier qui vient pour à 509. Et concernant policier Rénal Courtois, policier 25e promotion, 33 ans, n'a dit que pour le moment, DCPJ a tant délai. Il y a plusieurs éléments d'information qu'il y a traité au niveau de la DCPJ concernant ça. Et il y a même tout un avis de recherche qui lance tout. Avis de recherche là, il concernait ancien magistrat Port-au-Prince, Yuri Chevry. Et côté que, pour ne pas anticiper, il y a plusieurs éléments qui paraissent suspects. Et déjà, il y a trois interventions qui sont faites pour t'aller arriver, interpeller ancien magistrat. Nabdi concernant le policier Rénal Courtois, inspection générale plusieurs fois convoqué, il n'est pas présent. Et tout, il reproche le tout pour implication présumée dans ce qui était passé Champ de Maslan à la fin de deuxième journée pré-carnavaliste. Côté que tu as des tirs et tu as pile monde qui était paniqué suite à ça. Et ça t'est passé dimanche 30 janvier 2021. Au niveau champ de masse. Alors, c'est sous trois points ça que nous rencontrons la presse et probablement nous apprenons deux ou trois questions. Pour parole, question complot contre la suite de l'État. Premier élément d'information, c'est que ça a révélé. Les yon dossiers transférés au niveau de la justice, c'est à la justice qui peut faire suivre. Et au niveau de la police judiciaire, vous faites travail par eux. Et pour le moment, c'est au niveau de la justice. Et nous connaissons, l'instruction est secrète. Deuxième question. Deuxième question. Deuxième question. Troisième question. Merci, à la prochaine. Existence voice sur votre parole. Qui ça nous gagne là-dedans? Qui ça nous joue là-dedans? Qui ça voit sur dit de CPJ dans le cadre d'enquête policière là? On quitte la justice là, on quitte dans la police là. C'est évidemment sous base, c'est un élément sous qui nous décide là pour faire l'arrestation. C'est que ça nous joint essentiellement. Moi, je comprends une question, hein? Encore une fois. Dès que le dossier a cheminé vers la justice, c'est à la justice qui peut faire suivi dans quatre dossiers. Merci. À la prochaine. Voilà.